Tu peux la garder à ta place. Tu peux la garder à ta place, face de poule. Face de poule. Face de poule, pareil. Pareil. Ma petite entreprise. Eh bien, salut à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Vendor en compagnie de Pépé. Comment vas-tu, Pépé? Impeccable. Ainsi que Maggie. Comment ça va, Maggie? Impeccable. Ainsi que Sam. Comment ça, Francis? Impeccable et toi? Nickel, Omer. Donc là, les gens, voilà, ça va être une vidéo où il va pas se passer grand-chose dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'on va prendre ce jeu en main. À savoir que si une ou deux personnes qui veulent venir, seront bien entendu les bienvenues. On utilise un seul mode, pour l'instant du moins, c'est ce qu'on appelle la super force. C'est voilà, pour prendre et décaler pour ranger quand vous avez un tracteur coincé, sinon c'est pénible, mais c'est tout. Après, on n'utilise pas de mode, par exemple, pour l'argent, ce genre de truc. Vraiment, on est là, on a commencé la ferme. Donc, Pépé, tiens, fais-nous faire un petit tour, s'il te plaît. Francis, on va commencer par l'entrée avec... Avec des poules, hein, Francis. Hein. Avec le bon poulailler. Donc, il y a deux poules, les gens, comme vous pouvez le voir. Voilà. 40 poules, Francis, c'est. Voilà. Après, on a... On a posé ça. Les tracteurs. Voilà. Il manque que le tien, c'est toi. Non, le mien, il est garé un peu plus loin. Ouais, t'as aimé plus loin. Voilà, le grand hangar pour tout ce qui est... Voilà, et les machines, comme on dit, on sait pas ajouter de l'argent pour acheter des grosses machines tout de suite ou des gros tracteurs, on n'a que des tracteurs moyens. Sinon après, on voit pas l'intérêt de jouer, quoi. Donc ouais. Là, ça c'est le tracteur à pépé. Non, oui, mon tracteur, ouais, avec la moissonneuse. Oui, et là, il y a la moissonneuse. Ensuite, on avait juste rajouté pour mettre un peu de déco dans le jeu, c'est tout. Voilà, oui. Ouais. Donc on a ce champ ici. Attends, putain. Il est en blé. Ouais. Donc celui-là, il est tout en blé. Alors il y a des piafs. Voilà. C'est quoi ça, ce bâtiment déjà, Pépé, ce machin-là? C'est la paille, mais en vrac. C'est-à-dire, tu la compactes pas en balle. T'en as de la chance. Tu la mets directement dans la grange. Ok, là on a ce truc. Grand réservoir à carburant. On a le silo. Ouais. On a ce champ ici. Donc en là, blé ici, aussi. Oui. Il y a que celui-là à côté, c'est quoi j'ai foutu? Du colza. Et de là, t'as foutu de l'orge de mémoire. De l'orge, oui, c'est ça. De l'orge. Et le dernier champ se trouve tout au bout. Donc comme dit, on en a 4. Blé. Ouais, on en a pris un de plus parce que on est quand même 4. Ouais, trois, et sinon c'est vite chier, quoi. Donc bon. Voilà. Et voilà, celui-ci, donc on l'a mis uniquement en herbe. Voilà, comme ça, on va pouvoir... Après, on va faire des moutons. Après, on va fourrer, quoi. Vraiment. Oui, on va faire du fourrage. C'est le mieux, je vais te fourrer, Pépé. On va vous mettre tous les trois dessus, hein. C'est le mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? On va passer un peu de... On va fertiliser ce champ-là, pour monter à 100. Ouais. Et après, on va passer un peu de temps pour que ça commence à pousser. Et puis, on va commencer à récolter l'herbe. Ok. Donc, il y a juste ça à faire, on passe le temps et puis on est parti. C'est ça, hein. C'est ça. J'aime bien cette couleur qui est comment il ressort cette espèce de violet que je t'ai mis là. Attention, attends. Allez, regarde-moi ça. Non, mais pas dans l'eau, mais pas dans l'eau, hein. Réinitialiser. Ah, je l'ai prise, elle a volé, mon gars. C'est terminé. Non, mais il fallait nettoyer, c'est pour ça. Ok, donc Maggie a récupéré son tracteur, il est tout propre. Alors ce qu'on a fait par contre les gens, on a enlevé le fait qu'en fait... Voilà, vous allez faire chier Pépé, regarde-moi ça. Voilà, bravo. Donc on a enlevé les... Après il va pas être bien... Oh, merde. Voilà. Allez, voilà. Ah oui, voilà. Je suis là bosser, voilà, on se dira la DTE. Quoi. C'est ça. On aurait dû tous prendre des tracteurs orange, on aurait été refait. Quoi. Voilà. Et oui, donc j'étais en train de dire qu'on a enlevé les pierres. Des caillasses, parce que bon, on trouvait pas l'utilité de faire ça. Et on a enlevé le fait que, bien sûr, quand on va rouler avec les tracteurs, on n'écrase pas les cultures. Voilà, on n'est pas non plus des professionnels, et voilà, c'est juste pour s'amuser. Ah, il y a tout, hein, il y a juste les pierres qu'on n'a pas mis. Hein. Et l'écrasage. Les pierres et d'écraser, c'est tout. Sinon, on a tout laissé le reste. Oui. Bon, on les laisse finir le karting. Vous allez passer à l'eau tous les deux, là. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je pense que ça sent la super force. Oui. Ah bah c'est ce que j'ai fait à Maggie, j'ai pris son tracteur avec, la super force. C'est qui prend des dégâts, hein, les... Punaise, regarde. Ah, c'est Maggie encore, hein. Punaise.
Désolé. Je te jure. Hein. Ah, Seigneur Dieu. Ouais, il prend des dégâts le tracteur. Bah, le mien. Tu as mis quoi dans mon verre? Du. Ouais, bon, on attend que Pépé finisse sa merde. Oh putain, Pépé, qu'est-ce que t'as fait? T'as refoutu ma gaffe, là, Pépé. Pépé! Oui? Qu'est-ce que t'as branlé? Ah bah. Qu'est-ce que. Non, mais Maggie, ça fait 3 fois qu'elle y rentre dedans, papa, il en a eu marre, du coup, il a balancé. Ah ouais, bon. C'est le mieux, Francis. Ça commence bien, je te le dis. Ouais. Ok, donc les gens, on va commencer un petit truc. Donc Pépé va expliquer en 2-2. Voilà, on a 4 tracteurs. Essayez, hein. Allez, faites pas. Sam, il va faucher. Mm-hmm. Bruta, il va nous faire une belle ligne. Il va nous rassembler toute l'herbe pour faire qu'une seule ligne. À l'aise. Ouais. Maggie, il va nous faire une belle balle. Ouais, elle va essayer. Et puis moi, je vais les emballer. Voilà. Parce que ça rapporte plus. Alors, on aurait pu faire. C'est vrai pour les animaux. Pardon, ouais. Voilà, c'est ça, c'est pour essayer de gagner de l'argent. Et puis si, comme dit, vu qu'on se rajoute pas d'argent, si vraiment on a besoin, on fera un emprunt. Enfin, je veux dire, on veut jouer correctement. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on aurait pu prendre la machine qui fait les deux, c'est-à-dire les bottes plus l'emballage. Mais vu qu'on est 4, on essaie de faire, travailler tout le monde. Allez, tu peux y aller, ça va. Ok. On va lui laisser un peu prendre d'avance. Ouais, je vais le laisser faire 2-3 lignes. Là. Et moi, je suis derrière. Ouais, non, mais pour l'instant... Pour l'instant, tu peux attendre. Ok. Voilà. C'est parti. Ah, il est chaud, ça m'irrite, ça m'angoisse. Pourquoi tu me suis? Bah, parce que c'est son boule, il a pas le choix. Il te pousse même, non? Ouais, il me pousse. Sam, il avance tranquille, il fait sa tag life. Pyjama éclaté, oui, hein. Là. Figure d'angoisse. Bon, allez, là. Ah, Pépé, à moi le faire. Il respecte pas les boîtes, il s'en bat les gars. Ah ouais, je laisse quand même assez bien sur le bord. Et... ouais, d'accord, mais il n'y a plus rien là. Bah si, tu fais demi-tour, maintenant tu fais par ligne. Ah ouais. Oh là là. Ah mais c'est le mieux. Pour reculer plus, Maggie, tu en fais 1/2, comme ça c'est plus facile pour le virage. Oui, c'est ce que j'allais faire, voilà. Hop. T'es calme. Oh purée, si en plus je prends pas le cash. Oh non, non. Il y a quelqu'un qui a bu là. Punaise, elle a pondu, elle a encore pondu. Elle a pondu à la Francis. Ouais. C'est pas grave, on fera les finitions. Oui, après on fera les finitions avec la machine là, plus ou moins. On les a loués, il va falloir qu'on vende un peu parce que. Ouais, c'est parce qu'on a loupé. Voilà. On avait 40 000 balles. Bah, de toute façon, je pense qu'on pourra, si vraiment on a besoin, on pourra prendre un crédit à la banque et après on paiera pour un emprunt. Et on n'a rien acheté, Sam, on a juste loué. C'est loué, hein, vous avez fait. Hein. Ouais. On a juste loué, ouais. C'est le mieux. Bah, ouais. Bah, après, à terme, non. Quand t'as une ferme qui fait que ça, c'est important d'acheter, mais oui. Là pour l'instant. Avant après, de rembourser... à terme, il faudra acheter tout. Quoi. Ouais, mais à terme, c'est le but, mais là, voilà. C'est on a comme du boulot. On commence seulement. Bah, oui, hein. Ce que j'expliquais au début, c'est qu'on voulait pas, comme des gens qui se mettent un paquet de fric et qui achètent toutes les machines, et que préfère évoluer doucement, mais sûrement. Voilà. Bon loup. Ouais. Bon, donc là, les gens, ce qu'on fait, c'est qu'avec ça, on commence à ramasser les bottes. Vas-y, je te laisse empiler. Donc là, ils ont encore un petit peu de boulot, là. Donc du coup, c'est Pépé qui est passé pour faire les bottes. Et Maggie qui essaye de les prendre avec la machine. Mais Maggie, c'est une catastrophe. Ça va le faire. Ah merde, non. Ah. T'en as de la chance. Tu peux la garder ta place. Oh non, mais moi je pense que je vais. Non. Ah ben. Sinon le plateau c'est peut-être le plus simple là, pour Maggie. Hein. Oui, quelque chose de simple pour. Ah bah écoute, tu veux prendre le plateau là? Moi, je suis sorti. Tu sais que j'attrape chaud, hein. Là, c'est on lui a donné la mission de ouf. Franchement. Qu'elle avait réussi à en faire une, au moins. Est-ce que je vais réussir? Ah, mais t'en as pas fait une depuis tout à l'heure? Mais non. Bah, qu'est-ce que tu fais, en fait? Oh, faut que j'aille voir. Attends, je dois pousser que sur quelque chose. Non, ce que mais tu non, as fait, c'est... juste à passer, qu'elle soit au milieu. Ouais, mais est-ce qu'elle l'a activé, la machine? Activer les dépôts automatiques, c'est ça? Non. Déployer. Appuie sur X. Oh, non, il n'est pas déployé.
Eh oui, mais... c'est ce que je dis, bah, j'aurais pu rester comme ça. Comme... Voilà, ah, donc là, tu passes à côté, tu vas la prendre. C'est pour ça que je comprenais pas. Ben oui, mais moi non plus. Regarde, t'as vu, c'est simple en fait. Non, mais c'est parce qu'elle avait pas déployé, c'est tout. Voilà, et là, tu attends. Enfin, tu attends. Ça l'enroule. Et après, tu vas, tu prends l'autre, prends l'autre. En fait, tu vois, c'est simple. Mais c'est juste que t'avais pas déplié là. Parce que je trouvais ça bizarre quand je lui disais, elle passe à côté. Il faut la ramasser depuis une demi-heure, Francis. Ben oui, mais bon. Ah, je te reconnais, Sam. Et ça, c'est j'ai tout seul. Pas grave. Attends, je vais. Oui, ça s'enlève tout seul. Tiens, Sam, tu peux voir la récup. Bah, mais c'était quoi? Il buguait. Maintenant, je me demande si c'est le tracteur qui bug ou si c'est le pilote. C'est le cerveau qui bug. C'est le mien. Je ne dirai c'est le truc rien. Entre les deux oreilles. Mais putain! Je ne dirai rien. J'arrive pas à prendre des bottes là maintenant. Ça y est. Et il y a Sam qui s'y met aussi, tiens. Il bug aussi? Ouais. Heureusement qu'on est là. Hein. Non, ouais, je bug réellement. Il avançait comme si. Attends. Il y a un sound drift. Je fais du n'importe quoi. Non, mais c'est pas possible avec ce clavier. Allez, passe à travers. Elle me déconcentre, Maggie. Bah oui, mais il n'y a pas qu'à regarder alors. Ah, ouais, on regarde pas. La Maggie, c'est du grand spectacle. Hein. Arrête de te foutre de ma gueule. C'est bien, Francis. Tu peux la garder ta place, Maggie, je te le dis. Voilà. Non, je démissionne. Mais pourquoi t'as pas pris celle-là? Démissionne. Elle va me rentrer dedans. Ben oui, mais écoute, moi je sais pas ce qu'il y a. J'avance doucement. Et lui, il va comme un excité. Et regarde, mais allez, marche arrière, espèce. Ah, putain, viens. Oh putain. Pas zélé là-bas. Ouais. Là, tout droit, Maggie, elle va rentrer. Vas-y, tout droit. Regarde, ah Pépé, comme il est solide, il y a une boîte qui lui casse les couilles, il la prend et la jette sur 500 mètres. Oh. Ah, Pépé, il est pas là pour enfiler des caillasses, je te le dis. Moi. Ah ben ça. Donc là, du coup, dis-nous tout, Pépé, là, tu fais quoi? Et ben là, je remets de l'engrais parce que l'herbe, en fait, elle a pas de période, elle pousse toute l'année. Ça, c'est donc, je refertilise le champ et il n'y a pas besoin de le ressemer puisque l'herbe, elle est déjà présente. Il n'y a pas besoin de la pourrir, voilà. Et après, ouais, c'est vrai qu'on loue pas mal de trucs, mais après, on verra si c'est vachement, hein, ça rapporte vachement. Ah, mais on va vachement. Avoir plein d'argent après, hein, on va pouvoir... Voilà, on pourra acheter peut-être, je sais pas combien, par exemple, il coûte le petit plateau, au lieu de le louer. Acheter au fur et à mesure des trucs pas très chers. Ouais, bien vu, ça m'angoisse. On voit quand même bien la différence, avec là où il est passé. Ouais, le sol, tu parles. Ouais. Bon bah, c'est fini, hein. Ok. Putain, mon tracteur, il drift. Il tombe tout seul. Oh, mais il est peut-être trop chargé, non? Non, c'est parce qu'on a mouillé. On a mouillé, je regarde. Oui, bah ouais. Ah ouais, ça glisse. Ça t'en fait des bottes déjà là, hein? Chiche. Ouais. Ouais, quand même. On a une cinquantaine. Attends, du coup, t'as fait ça. Donc, ce qu'il va falloir faire après, c'est tout simplement ranger ce bordel. Et 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, on devrait recharger 42. Ah ouais. Putain. Ah oui, là. Ah, quand même 3 étages. Ouais. Ah oui, si on aura Manito, je pourrais faire 5 étages. Si on aura Manito. Mais non, t'es pas le Manito. Non, là, c'est un tracteur, alors je peux maximum, tu peux faire 3 étages. Mais avec un Manito, tu peux faire 5. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui. Ich. Ah, et voilà. Bah oui, bah vous êtes là, vous êtes regardé. Putain, voilà. La victime. Ouais, mais vous êtes là, vous êtes en train de me regarder. Du coup, la boîte, elle est tombée. Bon, bah il en restera pas mal. Ouais, parce que là, on peut plus en mettre là. Non. Peut-être à l'arrière. Si, à l'avant. À l'avant. Et à l'arrière. Peut-être. Ouais, à l'arrière. Mais il faut que tu les prennes une par une, par contre. Ouais. Ouais, t'inquiète. Ah, bah, tiens, elle va être blindée là. Déjà, elle est blindée. Là. Bah ouais. C'est le mieux. Là, j'arrive. On va vendre. Allez, vas-y, fais péter, Pépé. T'as jamais pensé à changer de disque? Non. Ah. Et toi? Ben non, moi je viens à peine de mettre un nouveau disque. Là, putain, je comment faire chier son mot? À l'avant. Nice.
Ah oui. Et c'est parti. C'est des petits trous. Hein. Ah, bah, on va voir combien vont nous rapporter les œufs. Alors, ah. Le pognon rentre à de 28 000, on passe à 30 000. Ça monte. Bon, bah écoute. Bah, c'est combien de litres là, le truc là? C'est toujours ça de gagner, hein. Bah ouais. C'est une location de machine presque. Là, il a vendu à 5 balles, t'as vendu quoi? 5 euros? Un œuf? Pépé? T'inquiète, attends, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Ah, mais attends, il y en a d'autres. Attends, sonque pas. Tout ouais, est vendu là. 32 000. Voilà, tout est vendu. 32 901. Eh ben, il y avait 28 000 2000, donc 2250 par palette. Ouais. Ouais, on a gagné à peu près 4005, non, presque 5000. C'est pas avec ça qu'on a fait fortune, mais bon. Non, mais bon. Non, t'as avec combien 28 000 après, t'en avais que 3. Ouais, mais deux bon. Palettes, hein. Ramené, c'est tout. Regarde tout à l'heure les machines qu'on a vendues. Bon, au final, ça nous les rembourse quasi, hein. Ouais. C'est celle qu'on a louée. Bah ouais, il y en a une qu'on a louée qui nous coûtait 1000 balles, l'autre 2000, bah tu regardes. Ouh, ouais. On s'est refait la loque. Vas-y, yes. Regarde Bruta, hop là. Ah bah... Vas-y, continue. Ouais. Alors ça, c'est de l'empilage de professionnels, Moulagoff. Bah, tu es où? C'est celle-là? Non. Ah, il l'a pas prise, c'était l'autre. Voilà, c'est celle-là. Ouais, celle-là. Il l'a semblé, c'est bon. Oh, on dirait un... ça c'est de l'empilage de cow-boy. Donc ça Pépé, celle-là, c'est là où t'avais mis les œufs dedans. C'est que t'as ramené les œufs. Je me mets là pour empêcher que la remorque bascule. Si t'as. Vas-y. Je pense qu'il doit en falloir moi au cas où, ouais. Ouh. Ouais, c'est tombé. Ouais, et puis le truc c'est qu'il est court aussi avec son bras. Yolé ! Comme au bowling ma couille. Ça c'est du c'est pro bon. Ça. Attends, il en manque deux. Ouais. Bon, c'est bon. Bah nickel. Ah non, c'est moi. Va doucement pour ta montre. J'allume. D'abord. Eh ben on a mis tout le champ sa mère là-dessus les gens. Oh le truc toi. Va doucement, va doucement. Bah je pense que ça va être le mieux. Hein. Oh le plateau comme il tangue. Ah ouais. Heureusement que la ferme elle est juste en face hein. Allez ouais. Par contre, tu sens que le tracteur y tire quand même. Hein. Bah oui. Y'a du poids, ma couille! Attends, 200 boules. Ah bah, il y en si avait 40 à la base et j'en ai mis 4 coques. Hein. De 40, on est passé à 200 boules. Ah oui? Dans le poulailler. Il va falloir les débuter. Hein. Voilà. Bon, donc les gens, Maggie doit y aller. Donc merci à Maggie d'être venue nous aider. Bah ouais, comme j'ai pu. Et puis ben voilà, quand à la tu prochaine, veux. Voilà. Yes, I do. Ok. Enfin, changer la taille de la balle, là. Tu fais un 80. C'est bon. C'est parti. En route, pépèche. C'est la mèche. Ok. Et comme ça, après, on fait la même chose pour le blé. On a deux champs. Au mois de le mois juste après, le mois de juillet. Bah là les bottes d'enrubanage ils sont prêtes là déjà je pense. Bah tant mieux. Ah bon on les vendra pour pas avoir un mois de location de plus hein. Ouais. Il faut attends je vais regarder avant. De toute façon tant qu'ils fassent des bottes Bruta. Ouais. Pépé il a dit qu'il prêtait pas son tracteur Francis hein. Son tracteur c'est toute sa vie. Ah bah regarde son tracteur il est où là. Bon. T'as toujours pas fait, non? Non, non. Et là, il y en a une qui va sortir. Là, je vais là. Là. Ça va mieux, hein? Voilà. Et... Allez, ça dégage, ma couillasse. T'as vu, là, elles sont plus grosses, les bottes, hein? Je sais pas, ouais. Je vois pas de... Et si tu le dis, je te crois. Ouais, donc on a acheté un plateau comme ça. Maintenant, on en a... T'as vu la botte comment elle est plus grosse? Tu m'étonnes. Là, il y a de la botasse. Ah bah là... Y'a que ça de vrai dans la vie. Y'a que ça de vrai, je te dis, figure de peau de fesse. Faut pas en prendre deux parce que sinon mon tracteur il va se soulever du cul.
Bah il faut que tu foutes un poids. Tu mets une masse au cul hein. Bah oui. Ouais mais non mais de toute façon j'en prends une par une parce que je pourrais pas mettre les deux en même temps. De toute façon il va pas en faire beaucoup hein, j'en prends une par une et puis voilà. Ouais tu fais comme tu le sens. Oui. Ok donc Sam pour l'instant t'as foutu une botte là-bas nice. Pourquoi tu recules Pépé? J'ai un tout petit brin de blé qui. Ah. Il te gêne. Juste pour pas repasser pour ça quoi. Ok Francis hein. Qu'est-ce qu'il faudra faire après sur ce champ là? Après on va regarder, peut-être falloir le fertiliser, on va voir ce qu'il écrit. Ok. Ouais Sam, tu l'as Sam dit qu'il y a de la chaux, mais moi je crois pas qu'il y ait besoin de faire de la chaux toutes les fois. Tu vois pas? Si. Non, t'as je ouais, crois elle pas. Est... elle est costaud hein. Mad Max, tu vas pas m'en prendre le jeu. Ah ouais, t'es comme ça toi. Il y a des piafs! Sors le fusil! Des volatiles, le Francis, hein? Hein? Ça mériterait. Ah, il y a des cartouches qui se perdent. Je pense que c'est après... 200 poules. Bah, déjà 200 poules, ouais. Ça fait 200 poules, hein? Ah, bah oui. Et après, par exemple, ceux qui sont le mois maximum, il faudra les vendre pour en acheter des autres. Comme ça, parce que quand ils sont, par exemple, à 25 mois, ils vont plus produire d'œufs. Comme les vrais. Ah bon? Oui. Ah oui, à un moment, après, elles torchent plus d'œufs. D'accord. Ouais, elles t'en font moins, mais pas beaucoup, quoi. Ok. Tu vois, t'en apprends des trucs. Tiens, ah, oui. Francis. Je te laissais bouboule derrière. Ouais, j'ai vu. Elle est belle, hein. Ouais, je sais. Hein. Je l'ai de mes propres mains. Elle est faite main, celle-là. Ah ouais, ah oui. Ah ouais, avec ouais. La machine. Non, non, je viens de la pondre là. La pondre. T'as vu Pépé, il a le rhume des foins. Ça. Il respire la poussière avec la moissonneuse. Ça, ouais, mais, moi ce que je prends derrière, je te garantis que c'est pas mal non plus. Hein. Oula, attention, Pépé. Attention. Vas-y, vas-y, vas-y. Y'en a une qui va pas tarder à la pondre. Ouais, moi je t'avais dit 10 maximum. Ouais, mais je pense que ça va être ça. Allez, tu l'as fait à la main aussi celle-là? Ouais, ouais. T'es arrière, hop. Cadeau. Merci. D'accord. La poule a fait son œuf. Bon, mon gars, putain, c'est éclaté la nuit, ça, je te le dis. Ouais. T'as vu la taille de l'œuf, toi? Il est énorme. Tu m'étonnes qu'il est énorme. Énorme, Francis. Il y a beaucoup dans la remorque? Ouais, ça remplit bien, on est à presque 50% je pense. On est à 50, 56, 57, 58, 59, 60. Donc là on a fait à peu près la moitié du champ, donc on va la remplir. Ouais. Bah je vais aller la vider, comme ça elle sera. Tu peux mettre dans un silo deux types de grains ou pas? Oui, il y a deux. Ouais, oui, il y a deux. Tu peux mettre tous les types de grains. Ah c'est pas géré quand même au point d'avoir chacun un silo pour chaque truc. Non. Je le mets dans le silo, garde ta son ça. Vas-y. Voilà déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, déjà 8 bottes là. Ouais, mais t'avais raison, bah, viens bien faire les 10. Hein. Ouais, même 11, je dirais. Ferti, ferti. Possédé par Jasmine Grevier. Et là, il est possédé par qui? Léopold de Villepin, mon vieux. Ils volent pas les mectons ici. Hein. Après, généralement, quand c'est par exemple une map vallonnée, tu prends des bottes carrées. Tu vas avec les bottes carrées pour éviter que ça roule. Ouais. Mais bon, là, on a pas besoin là, des bottes carrées. Non. Moi, je préfère mieux les bottes rondes. Ouais, puis ça va, tu les emplis bien. Ouais, bah, c'est le mon mieux. Hein. C'est le mieux. Ça fait un moment que je peux recharger à la main avec un tracteur. Eh oui, hein. Ça va le faire. Hein. Pour remplir le compte en banque là, parce que. Hein... Ah bah là, on a 8000. Ah, on a les bourses vides. Et ça ne ressemble pas. Non, mais rien que je suis sûr que si on répare tous nos véhicules, le 8000. Oh, il n'y a plus rien. Hein. Non, il n'y a plus rien. Ah bah oui. C'est sûr. Parce que moi, tout à l'heure, quand je l'ai réparé là. J'en ai eu pour 2000 quelqu'un.
Ah, je suis plein. Il faut le pépère. C'est l'heure du vidage, ma couillasse. Yes. Bon, ça va, c'est pas loin pour les vendre. Ah bah ouais. Putain, ça devient sacré. Sacré bordel. Sacré convoi. Hein. Ouais, t'as vu. J'arrive. Alors celui-ci, les gens, je l'ai acheté uniquement pour la déco. Ouais, là, il va nous servir juste pour suivre. Voir en vue intérieure. C'est propre. J'adore, moi, les vieux coucous. Là, c'est parti. Vas-y, Francis. Hein. Ouais, mais je vais pas vite. Ouais, non, mais tranquille. Tu dis quoi, Pépin? C'est fini. C'est bon? Okay. Ouais, je vais continuer les balles. Ouais. Mais de toute façon, tu vas avoir un ou deux traces à faire, c'est tout, je pense. Ouais, on pourrait pêcher là, regarde là. Ça, à droite. Ah bah oui. Sors les cannes, là, on est refait. Hein. J'adore le bruit de ce vieux tracteur. Il est. Oh, ça monte un peu, il est pas bien le tracteur. Ouais, mais toi, t'es allé pencher la remorque. Hein. Elle est penchée. Ah, c'est bon, ça passe, Francis, hein? Ah, oh, si c'est très dans la vie, là. Ah, bah là, t'as mis combien? 4? 4 étages, hein? Ouais, 3,5, quoi. Oh là, la montée. Ouais, il grimpe pas, hein? Ah, ouais. C'est pas bien. Pousse-moi, Bruta, pousse-moi. Tu veux que je pousse avec mon machin, tu rigoles ou quoi, toi? Accélère. Attention, il faut que je tourne là. Ça, ah, ouais, non, mais c'est bon. C'est pour ça que je me demande le poids qu'il doit y avoir que tu dois avoir au cul là, parce que ça doit pas. Ah là au moins 20 tonnes hein. Même plus hein. On peut pas te dire, aucune idée. Oh, on dirait qu'il y a une bugger derrière, on dirait qu'il y a une boîte qui se barre. Sur la gauche. Normalement non. Normalement non, mais. Normalement sur le. Putain ouais, ils sont partis chelou là maintenant. Pas grave, tant que ça tient, Francis. C'est encore loin le bordel? Non, c'est là. Allez, c'est là, c'est l'heure de faire tomber les thunes, Francis. Après, c'est pas le prix le plus élevé, mais. Oh bah écoute, avec l'argent qu'on a, j'ai envie de te dire, c'est un bon prix. Bah, le coucou, tourne bien cette petite merde là. C'est quoi pour décharger là? Pour décharger. C'est... Oula, les bottes! Je te jure, regarde, elles bougent toutes. Faut juste que t'enlèves les sangles et après. Ah mais quoi, enlever les sangles, c'est elle. Ah ouais. Ah c'est bon, ça dégage. C'est bon. Pour t'attends, elles y sont pas toutes, hein. Non, 49 000. Elles y sont. Ouais, ils sont pas tous. Il en manque 4-5. Attends, je vais les pousser. Donc pas autant que ce qu'il nous avait dit Sam alors. C'est pour moi qui a dit que. Je sais pas, quelqu'un avait dit 2000 la botte, c'est 1000 balles. T'as dit 2000 la balle, sauf que c'est 1082 balles. Ouais. Parce que, mais tu l'as pas vendu au meilleur moment. Bah oui, bah c'est, il faut la vider pour délouer le. Ah ouais, faut le délouer aussi cette merde. Bon ben voilà. Ouais, je décroche et je déloue. Ouais. Puis de toute façon, le champ d'herbe, ça repousse toute l'année donc. On achète le matériel hein, de ce coup-là. Ouais, on en aura besoin. Bah du coup, c'est peut-être ce qu'on pourra prendre après, c'est-à-dire les trucs pour comment. Bah est-ce que oui, t'as pour faire la balle et pour enrubaner. Et pour l'enrubaner, c'est tout ce qui nous manque. Hein. Et pour couper l'herbe aussi. Ça coûte pas trop cher là. Ouais, ça va pas coûter grand-chose. La faucheuse c'est 22 000 l'avant, l'arrière et 17 000 le. Ah ouais, quand même! Il y a la faucheuse aussi, on a oublié qu'il y avait la faucheuse. Eh oui! Alors, Pépé, dis-nous! Il se passe quoi maintenant? Bah, maintenant, on a récolté. Donc, on va broyer. Pour que ça soit le plus bas possible, pour qu'on ait le meilleur rendement, on va broyer. Avec ça là? Et Sam, derrière, il va passer la 2 faucheuse à disque. Ok. Pour repréparer la terre. Voilà. Allez, et après, on va pouvoir ressemer. Yes! Pas besoin de bêcher ou d'enterrer, enfin de lâcher. Comment que ça va faire ce machin là, vas-y passe-le, ton truc. Ah ouais, énorme. C'est excellent ta merde là. C'est une broyeuse.
L'avantage c'est que ça roule assez vite, tu vois, je peux rouler à 18 km/h donc. Ouais, donc le chien il sera vite fait en plus quoi, ok. Bah allez, let's go ma couille. Ah mais vous avez quasiment fini vous? Bah non. Non, non. Ah bah non, je suis con, j'avais pas vu tout le... Fais gaffe. J'avais pas vu tout le champ. Ah bah non. Celle-là, elle a 1h06. Cette machine, Francis. 1h06. Ouais. Bah moi je dis un jour parce que voilà. Moi je dis un jour. Ouais. T'as déjà une botte au cul? Ouais, déjà une botte au cul. Ah, par contre, celle-là, tu les mets pas en. Ouais, je l'ai pas joué. L'autre, celle, elle sera bien réglée. C'est que la première. Ah, excellente. C'est quoi ce machin miniature qui vient de pondre, Francis? C'est pour ça que je me disais, putain, mais il en a pondu une vite. Ah, bah, masse. Ah, elle fait 220 kilos. C'est écrit en dessus, les gars. Tout à l'heure, on cherchait comme des cons, mais c'est écrit dessus. Elle est grosse, ouais, du coup. Elles sont 500. Je pense, non? Masse. 100 kilos. Attends, il y a un bug, c'est pas non, possible. Mais non, il faut que. Attends, regarde. Je te laisse regarder. De là, il a couru, il a monté ses jambes jusqu'au niveau de son front. Quoi. Normal. Laisse-moi t'aimer. Vaincu, Might. Ouais, du coup j'ai pas... De toute façon quand Pépé il va en pondre une, là je regarderai dessus. 460. 460 ? Ouais. Bah, les autres, bah oui, les autres j'ai dit 230, non ? Après celle que Pépé l'a sortie. Je sais pas, donc imagine que t'en avais, ouais mais je sais pas si c'était les mêmes tailles les herbes là. Mais c'est peut-être pas le même poids au niveau masse, je sais pas. Ouais, elles étaient plus petites, ces herbes. Ah. Là ils font 5000 litres. Que les 1m80 ils font 11 000 litres. Là, tu es en train de claquer, c'est excellent. La première vidange, Francis. T'es parti où, Sam? Ah oui? Tu travailles avec l'ouvrière. Ouais. On a de la chance. Travaille mieux que Maggie, en tout cas, l'ouvrière. C'est le mieux. Ah bah, c'est un ouvrier aussi, hein, c'est normal. Hein. Ouais. Il est payé donc. Ah, mais qui aussi, hein. Ils sont bien bras. T'es dédicace à Maggie. Ouais. Dédicace de Pépé, bien sûr. Moi, j'ai rien dit. Ça m'a rien dit. Ah, Pépé. Pour une fois. Ouais, j'avoue. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. T'as connu entière, toi, Pépé? Ah, bah oui, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr, ça joue sur les entrepreneurs. Je te dis, épanoui, elle exige des trésors satinés, dorés à souhait. Voilà, bon. Il va pleuvoir demain, je te le dis. J'ai entendu l'expertise. Il va pleuvoir demain. La vérité m'épuise. Bah encore ça va, par contre, toi, Sam, quand tu chantes, c'est vraiment une violation de, du carrément, quoi. Ah bah, les oreilles, elles saignent, quoi. Elles saignent, c'est une règle, hein, les oreilles. Non, Chati, Sam, il chante bien. Là. Mais c'est pas le même registre, par contre, que Sam, il chante. Lui, c'est plus... C'est le mien. Moi, j'ai de la bourre, Pépé. Hein. C'est le mien aussi. Et je t'ai rattrapé. Hein. Ah bah oui. Hein. Je te dis que t'es le plus heureux, toi aussi. Je sais que c'est moi le plus heureux. Bah oui. Non, toi tu finis, tu te poses toute la nuit. Hein. T'as mal, la chance. Tu peux la garder à ta place. Tu peux la garder à ta place, face de poule. Face de poule, pas vrai. Pareil.
Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Tu vois, je prends même pas un kilomètre heure avec le tracteur au cul. C'est vrai? Tu prends quand même un kilomètre heure? Non, je prends même pas un kilomètre heure. Je veux dire, je pense qu'il pèse un peu lourd, une moissonneuse batteuse. Ouais, je crois que ouais. Après, on pourrait foutre l'ouvrier à détruire le champ, là, enfin, à le croyer. Si le Yassam? Oui, enfin, celui dans un détracteur, hein. Lequel? Non, mais le champ, lequel? Le champ qu'on est en train de faire, puisqu'on l'a quasiment fini. Ah oui. C'est l'ampe. Ah, l'ouvrier va s'arrêter toutes les 30 secondes aussi pour les bottes aussi. Ça va le gêner. Oui, faut les ramasser. Arrête-toi! Putain, elle a sauté dans le champ, quoi. Il y avait une biche, Moulagoff, ouais. Je la vois. Moi, elle est sur la route pour moi. Ouais, non, moi, elle a sauté. Ouais, ouais, mais on n'a pas le même engin, Pépé. Bon, ouais, ça. Elle a eu peur de mon engin. Mais tiens, ça l'a fait rire. Ça va bien. Oh, faut mieux pas qu'elle voit celui de Sam. Ah, oh, bah là, elle danse, elle se met debout sur ses pattes arrière. Et elle danse, doudou chat, doudou, baby shark. Attendez bien, baby shark. Bon, on va essayer d'acheter ce qu'on a dit. Ouais. Pour pouvoir lancer les moutons. Je pense que ça peut être pas mal, parce que les moutons, ça fait un peu de laine tout le temps aussi. Toi, les moutons, c'est vraiment le truc que tu veux. Hein. Donc il faudra qu'on sacrifie un bout de champ, herbe, c'est ça. Hein. Je pense, même peut-être même pas, il est grand, il y a de la place sur le champ de tournesol. Je pense qu'on a la place. De tournesol. L'ancien tournesol. Ouais, l'herbe quoi. Oui, c'est ce que je disais, l'herbe. Je pense que la place. Ok. Bah ici ça va être fini. Sam il est en train de finir. Tu vas avoir une sacrée remorque toi aussi là-bas, tu vois. Ouais, le plateau il est pas très droit mais je suis non mieux. Ah mais j'allais te dire en plus tu les as bien foutus. Attends c'est ouais, la fin là. On peut faire mieux mais. Oh bah ça va, on est mettre vidé. On n'est pas non plus des pros. De toute façon, moi j'ai pas de quoi refaire une balle. C'est ça qui est un peu dommage quand il reste un peu dedans. Bah, c'est le prochain champ. Un autre champ. Ouais, mais non, parce qu'elle est pas nous, on la loue. Donc à chaque fois, on la rend. Ouais. Oh, mais celle-là, tu la vends pas du coup. Tu la vends pas. Tu vas la garder pour l'autre champ. Bah, ça va, qu'est-ce que tu vas. Elle est bien posée là. Oui, non, t'as raison. Elles sont bien posées. Tes bottes là. C'est lui, hein. On va la garder pour le mois prochain, celle-là. Pour moi, je veux dire, pour la prochaine fois qu'on joue. Donc, c'est dans le même mois. Vas-y, passe, Pépé, je sais pas ce que tu veux faire. Non, mais je la pose juste, celle-là. D'accord. Bah, attends, je vais remplir ça si tu veux la clé, comme ça tu pourras aller la vider. Donc, les gens, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on va se laisser ici. Là, on part tous pour aller vendre la paille. Bon, ça va pas nous rapporter grand-chose, mais ça nous fera un petit pécule en plus. Et bah comme vous l'aurez compris, il y aura bien sûr des suites. Donc je fais un petit coucou à Maggie qui a dû partir un peu avant. Un petit coucou à Sam, merci à toi Francis. Ah de rien, c'est un plaisir de jouer à Farming avec toi. J'avoue. Ainsi que KPP Mad Max, merci à toi Francis. Ouais, de rien Francis. Puis bah, en espérant que ça vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao les Francis. Hein. Ciao. On va se laisser sur une belle petite vue là. C'est beau là. C'est vrai, ouais, hein. Le village il est beau là. J'aime bien. Ouais.